Je suis ravi de vous retrouver pour une vidéo consacrée cette fois-ci au genévrier Ito Igawa. La suite de la vidéo que vous pouvez retrouver ici dans l'angle, c'était une vidéo consacrée à la mise en forme de genévriers de petites boutures. Et nous avions décidé de les cultiver dans ces quatre bacs de culture identiques pendant une année environ. Et je vous avais dit que j'avais l'idée de les cultiver de quatre façons différentes. Et je pense que cette fois-ci, c'est la bonne période pour le faire. On est au mois d'octobre, on va pouvoir les rempoter. Et j'ai décidé de vous faire participer un petit peu à cette petite expérience où l'on va cultiver nos arbres dans quatre contenants différents. Donc je pense que je vais prendre cet arbre qui a pas mal tigé. Je vais le laisser dans son contenant. Donc on ne va pas le toucher, on va juste enlever la ligature, c'est tout ce qu'on va faire. Et pour les trois autres arbres, on va les cultiver l'un dans un contenant tout petit et les deux autres dans des contenants beaucoup plus grands. Donc il y en aura un dans un contenant d'environ 5 litres et l'autre dans un contenant de 10 litres environ. On pourra voir comme ça l'évolution de ces arbres et cela pourra vous aider à comprendre comment il faut cultiver vos arbres, vos jeunes arbres, lorsque vous décidez de les faire grossir et grandir. Tout d'abord, on va commencer par un petit pot très simple. Alors, il est un petit peu sale celui-ci, qui a environ 10 cm de diamètre et environ 3-4 cm de hauteur. Ensuite, je vais prendre un pot de 4 litres en plastique. Alors vous pouvez prendre n'importe quoi comme contenant, moi j'ai pris un pot plastique, vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. Je l'ai préparé déjà avec des grilles à l'intérieur. Et puis ensuite un contenant d'environ 10 litres. Là on est sur vraiment un grand bac de culture, toujours préparé avec des grilles au-dessous. Voilà, ça c'est pour les contenants. Ensuite, bien entendu, des outils, donc une pince à jean, une paire de ciseaux, quelques baguettes chinoises, une paire de pinces à couper le fil et puis un petit peu de fil de ligature. Alors, ça sera pour le maintien des arbres éventuellement dans les pots. Bien sûr, ça c'est de la récupération, c'est pour ça qu'ils sont dans cet état. Alors, j'ai choisi un substrat très grossier, donc c'est de la pouzzolane, mais vraiment très grosse, pour faire le drainage dans le bac, dans les gros bacs de culture, de la pumice. Et puis ici, j'ai fait un mélange composé de pumice et d'acadama. L'acadama, vous pouvez aller jusqu'en mettre même jusqu'à 100%. Il faut faire attention avec la pouzzolane parce qu'elle est très drainante et le genévrier, il aime beaucoup l'eau. Donc, il va falloir éventuellement garder de la rétention d'eau dans le bac de culture. C'est pour ça que j'utilise aussi un mélange qui va être aussi composé d'acadama. C'est quelque chose que j'évite généralement, la pouzzolane pure, mais quand il faut remplir vraiment les volumes, ça coûte pas très cher, donc c'est ça qui est pratique. Alors, ce n'est pas du tout la même culture que dans la nature. Dans la nature, les genévriers pousse vraiment à même la roche et tout, mais nous ce que l'on veut c'est les faire grossir et grandir, et donc on va essayer d'avoir une rétention d'eau dans le pot. Ici vous avez de la moyenne granulométrie, ici c'est aussi de la moyenne un petit peu plus grosse, et puis là vous avez vraiment de la grosse granulométrie. J'utilise pas du tout de fine granulométrie. Alors notre petit genévrier, on va lui enlever la ligature puisque maintenant il a dû garder la forme. On enlève la ligature toujours avec la pince à couper le fil. La ligature serre un peu, mais elle n'a pas encore marqué. On peut constater que le genévrier, eh ben, il a gardé sa forme. Il a gardé la forme de la pose de la ligature, donc c'est très bien. Ce que l'on peut faire, c'est venir nettoyer un petit peu le genévrier, surtout avec les pousses de l'intérieur, puisqu'on ne s'en servira pas. On fait quelque chose de très simple, hein, bien entendu. Et puis surtout, ben maintenant, on va le sortir du pot. Alors, c'est là où c'est assez délicat parce qu'il ne faut pas trop l'embêter au niveau de son racinaire. Donc, on peut voir que le racinaire, ben, c'est pas mal développé. Alors, ça, c'est pas lui, ça, c'est une plante. Alors, il y a des plantes qui ont poussé, qui embêtent justement le genévrier de bien se développer. On va pouvoir le mettre carrément dans le pot de culture. Alors, dans le pot de culture, là, pour le coup, j'ai décidé vraiment de prendre un petit pot presque de finition. On va prendre un petit peu de substrat. Je vais garder quand même la motte presque intacte. Je ne coupe pas la racine, hein, vous voyez, comme ça, on va faire la même chose sur les quatre, c'est-à-dire qu'on ne va pas toucher les racines. Je les touche déjà avec les doigts et ça va certainement jouer aussi, mais voilà, je ne fais pas plus. Je vais juste attacher l'arbre pour que, eh bien, il soit fixé sur ce pot. Donc toujours pareil, avec ma pince à jean, je viens tirer un peu et tourner. Alors, on ne va pas tourner très fort parce que là, bien entendu, on ne va pas casser les racines non plus. C'est juste pour maintenir l'arbre.
je coupe le surplus, voilà, et puis maintenant, eh bien, je vais venir garnir avec ce substrat. Vous pouvez constater que si on part sur le principe de faire du bonsaï dans des petits pots, là on y est, on est presque sur un bonsaï déjà, sauf qu'il est quand même très jeune, il est très fin dans son pot. Alors je ne l'ai pas mis au centre, il faudrait le centrer bien entendu dans ce pot, mais ce n'est pas la priorité, hein. L'esthétique, comme je vous dis, c'est vraiment la culture. Donc là, maintenant, on va le cultiver dans ce pot-là. Je rajoute un petit peu encore de substrat pour vraiment le garnir à fond. Mais comme vous pouvez le constater, il doit y avoir un volume d'environ l'équivalent d'un très très grand verre, je dirais 500 centilitres, ce qui est vraiment très peu pour ce genévrier. Alors, pour ce genévrier qui a bien tigé dans son bac, on va le laisser. Alors c'est presque l'équivalent, hein, comme vous pouvez le constater, là on est sur un pot qui est relativement plat et là on est sur un pot qui est relativement profond. C'est pour ça que je trouve qu'il y a quand même un intérêt aussi de garder ce pot-là et de faire la comparaison avec ce petit pot ici. Ça serait vraiment, on va dire, le pot de finition et ça, c'est vraiment le petit pot de culture. On va enlever la ligature sur ce genévrier. On n'en a plus besoin, c'est un genévrier qui a gardé sa forme. On va le voir tout de suite. On va enlever bien entendu le fil. Là, j'avais doublé le fil en plus, donc ça permettait comme ça de rigidifier un petit peu plus l'ensemble. Par contre, c'est plus dur à enlever. Donc ce petit genévrier, je vais un petit peu le nettoyer quand même parce qu'il a bien poussé, il est pas mal. Donc on voit qu'il a fléché. Ça, c'est intéressant. Quand on voit que le genévrier flèche comme ça, c'est que, eh bien, il s'est vraiment bien développé en bas dans le substrat. Donc, je vais enlever en bas ces pousses qui ne servent pas à grand chose. Les flèches, c'est vraiment là où il y a la puissance du genévrier. Si on veut que ça tige, si on veut que ça grossisse, eh bien, il faut que ça tige. Et donc, il faut lui laisser l'énergie dans ses flèches. Si vous voulez au contraire le densifier, eh bien, il va falloir enlever ses flèches. Ça, c'est la logique à chaque fois. Donc, toujours bien arrosé et bien engraissé. Donc là, on fera pas plus de travail sur ce genévrier, il est nettoyé, il va repartir comme ça sur mes étagères. On va mettre de côté ces arbres et on va s'occuper maintenant des deux autres genévriers que l'on va positionner dans des grands bacs de culture. On va s'occuper maintenant de ce genévrier. Vous voyez, hein, le volume, il est nettement plus grand, on va dire que c'est 5 fois le volume, 5-6 fois le volume environ. Donc un contenant d'environ 4-5 litres. On va déligaturer ici. Ici, j'ai un genévrier qui est pas trop mal. On va enlever aussi des petites tiges qui ne servent pas à grand chose, de toute façon qui sont trop basses. Voilà, il n'a pas trop tigé à l'intérieur des courbes, donc je vais laisser le reste du feuillage. On va l'enlever de son bac de culture. Voilà, donc je vais mettre un petit peu de pouzzolane, comme vous voyez. Voilà, ça sera pour vraiment le drainage. Donc j'ai mis environ 3-4 cm au fond du pot. Et donc maintenant, je vais mettre ma pumice directement. Et je vais mettre mon arbre en milieu. Alors, je vais éclater un petit peu la motte, mais pas énorme. Voilà, comme ça j'aurai aussi touché un peu les racines de cet arbre. Alors, il y a des plantes qui ont poussé, hein. C'est pour ça que j'ai enlevé là un espèce de radis. Voilà, un peu de pumice et puis le reste, donc ça va être le substrat, mon mélange pour le haut, pour vraiment garder l'humidité sur le haut de l'arbre. Je mets mon mélange avec pas mal d'acadama quand même dedans. Alors, bien sûr, on tasse quand même, hein. Il faut que ce soit bien tassé pour qu'il y ait un maximum de substrat qui rentre dans le bac de culture. Voilà, le rempotage est terminé pour cet arbre. Et maintenant, on va passer
au plus grand des bacs de culture. Alors cette fois-ci, le grand bac de culture, là on est sur 10 litres environ de contenant. On va vraiment mettre beaucoup de pouzzolane. Je vais en mettre environ jusqu'ici, c'est-à-dire environ 5 cm, voire un petit peu plus. Et puis ensuite, on remplira de pumice. J'ai à peu près enlevé toute la ligature. Alors, je fais en même temps un petit surfaçage avant de le sortir. Parce qu'il y a pas mal de plantes aussi qui poussent avec les genévriers. On enlève les trèfles et donc on va le sortir du pot. Donc c'est correct. Je crois que je vais défaire un peu la motte. Quelque part, c'est normal. Et puis de toute façon, c'est ce qu'on avait prévu. Donc voilà, notre genévrier, il est implanté aussi. Alors là, je ne vais pas l'attacher hein, parce que c'est pas la peine. Il est vraiment grand le bac de culture. Et donc, je vais mettre maintenant le substrat, mon mélange. Voilà, comme vous pouvez voir, il est installé dans son grand bac de culture. Il est avec son... Ces trois substrats, donc un substrat qui était relativement drainant, qui est à base de pouzzolane, ensuite de la pumice, une grosse couche également, et puis sur ce plus de 5 cm, un mélange avec de l'acadama, pumice et pouzzolane. Les quatre genévriers, bien sûr, seront nourris de la même façon, donc je viendrai apporter des engrais organiques. Si je le fais pour l'un, je le ferai pour tous. La même quantité, ça va être compliqué parce que dans des grands volumes comme ça, on va pouvoir mettre beaucoup plus d'engrais que dans des petits volumes. Ça, forcément, ça paraît logique. Donc peut-être que celui-ci aura plus d'engrais, éventuellement celui-ci, mais je pense pas que ça jouera énormément. Ils seront tous arrosés de la même façon, donc ils auront tous eh bien, environ deux arrosages durant l'hiver, deux arrosages par semaine et environ un arrosage à deux arrosages par jour au printemps et à l'automne. Pour ce qui concerne l'été, bien entendu, ce sera deux arrosages, voire peut-être trois ou quatre en fonction de la chaleur, puisque vous savez très bien que maintenant, avec les canicules, il faut vraiment se méfier. Ces genévriers seront cultivés à l'ombre, ça c'est très important, donc ils ne seront pas en plein soleil. Ce genévrier ici, qui lui n'a pas été touché au niveau de son racinaire, il va continuer à tiger et il a déjà pris de l'avance. C'est pour ça que je l'ai laissé dans ce pot de culture. Je voulais comparer justement avec ces deux grands bacs de culture. Ici, pour ce petit genévrier, eh bien, on verra vraiment la différence à mon avis. Bon, la première année, ça risque de ne pas être flagrant parce que, eh bien, comme on a touché un petit peu à son racinaire, il risque d'être un petit peu figé. On verra un petit peu comment ça se passe. Et pour ces deux autres genévriers, eh bien, effectivement aussi, on a touché à leur racinaire. On va voir vraiment si, ils s'épanouissent de suite dans des substrats comme ça, dans des grands volumes, ou s'il leur faut plusieurs années pour s'épanouir et devenir plus grand que celui d'origine. Donc ça, ce sera des choses qu'on verra bien sûr dans les prochaines vidéos de la série. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou une question. Comme d'habitude, je vous réponds. Allez, à très bientôt.